13 mai 1986, après avoir pris le pouvoir après le contre-la-montre de Valladolid, Álvaro Pino, bientôt 30 ans, 4e de la Vuelta 1983, remportée par Bernard Hinault, a confirmé sa suprématie sur cette 41e édition du Tour d'Espagne. Sur le contre-la-montre final, roulant en Andalousie de Jerez de la Frontera, le Galicien de l'équipe Zor BH a remporté avec autorité cette ultime étape en 25 minutes et 43 secondes à 51 km/h 329. Il a devancé de 7 secondes le Français Laurent Fignon, de 25 secondes l'Irlandais Sean Kelly et surtout de 33 secondes son rival Robert Millar, à qui il avait pris la tunique de leader. Voici donc maintenant le classement de cette ultime étape du Tour d'Espagne 1986, avec donc la victoire d'étape de Álvaro Pino devant Fignon, Kelly, Millar, Ruiz, Cabestany, Miguel Indurain, Iñaki Gastón, etc., etc. Et le classement général final de cette Vuelta avec un podium composé de Álvaro Pino, Robert Millar et Sean Kelly. Ciao tout le monde.